Bon, bah écoutez, on va faire autre chose. On a testé sur ce jeu, voir si ça buguait pas. Ça bug pas. Maintenant, on a un autre jeu sur lequel ça buguait à l'époque. Et voir si maintenant ça bug plus. C'est un jeu qui a été détesté à maintes reprises. Ah oui. Paf, tant pis, hein, il a pas répondu, donc ça veut dire qu'il a pas envie de jouer avec moi, donc tant pis. Tac. Nvidia sont les meilleurs. Ah, ça dépend des gens. Il y en a qui préfèrent AMD. Je veux pas rentrer dans cette guéguerre. Alors, juste, notez le truc que il y a The Division 2 gratuit jusqu'à demain soir. Ou jusqu'à demain, c'est tout ce qu'on a comme info. Je suis revenu aujourd'hui parce que j'étais parti voir mes grands-parents. Et Osman, c'est lui qui a demandé à y jouer. Et Osman m'a fait: ah non, pas ce soir, je suis fatigué, demain j'ai cours. Alors que c'est lui qui m'a demandé de l'installer quand même. Ça affiche sur les batteries. Donc alors, Shadow of the Oula. Oula. Que se passe-t-il? J'ai tout cassé. J'ai tout cassé. La vie de ma mère, j'ai tout cassé. Bonjour, je bouge normalement. C'est bon. Ok. Mais il est gentil, mais il me demande d'installer un jeu et il veut pas jouer. Incroyable. Bon, on va jouer à Shadow of the Tomb Raider, qui a été maintes fois détesté à cause du fait qu'il a baissé de prix à 30 euros quelques semaines après ça. Mais t'as vu? Il joue à Tekken 7, le mec. Il m'a dit, ah non, à quoi? Attends, il joue à Tekken 7? Il m'a dit, mot pour mot, il m'a dit à 22 h, faut que j'aille me coucher. Donc s'il joue à Tekken 7, c'est un monstre le mec. Il m'a menti. Ça, par contre, je sais plus comment on fait pour s'accrocher à ces trucs. Vous savez comment on s'accroche à ces trucs-là? Oula, calme-toi. Comment on s'accroche? Comment on s'accroche à ces trucs-là? Savez-vous comment on s'accroche? Peut-être la touche pour frapper comme ça. Alors là, je... Distribution des touches. Sauter. Sprinter. Nage rapide. Faire une roulade. Utiliser un instinct de survie. Corps à corps. Et recharger. Interagir peut-être. Changer de sélection des armes. Compte de soins. Alors là, je sais pas. Je sens qu'on va rester bloqué ici. Et du coup, ça servira à rien de le tester. On va tester d'appuyer sur espace. Peut-être que ça. Ma mère, c'est quoi? Ah, peut-être sur tab. Tester. Pas du tout. De toute façon, il faut que je le refasse en live. On le refera en live ce jeu. Juste essayer de trouver c'est quoi la touche pour les piolets. Ok. Cette touche du coup. Non? Ah non. Alors là, X sur manette. Ok, on va tester ça. J'ai la manette de brancher. Ouais, ok. Ok, il faut juste que je trouve c'est quoi la touche sur console. Sur PC. Ok, c'est E. Du coup, je suppose que si je fais E. Oh putain, t'es un génie. Ok, et maintenant je fais quoi? Je saute derrière. Ah non, il n'y avait pas un truc où. Mais. J'appuie sur. Ok. Y'avait pas un truc où on pouvait descendre à la corde. Je sais plus. Attendez, c'est quoi? Ok. Hop. Y'avait un truc où on pouvait descendre à la corde. Je sais plus ce que c'est. Alt. Passer en tout cas.
maintenir une touche et bas, je crois. F. Ok, c'est pas cette touche déjà. J'appuie. Vraiment le mec trop con quoi, il appuie sur espace quoi. Bon, en tout cas, c'est pas ces touches là apparemment, hein, parce que ça marche pas. Ça s'appelle comment? Descendre en rappel, je suppose. Pouf. Marcher, interagir. Sprinter, nage rapide, faire une roulade, ascenseur du corps à corps. Tirer, fabriquer, viser. Mais. C'est pas marqué, ça me ouf. Forêt de nounours. Pourquoi en forêt de nounours? Prends en soin une femme avec un physique pareil. Alors attendez, on va tester à la manette. Est-ce que vous connaissez les touches à la manette? Ok, on va retenter d'appuyer sur X. Non. Rec, non. Ok, donc sur la manette, c'est cette touche-là. Je sais pas ce que c'est. On va jouer à la manette, ça sera plus simple. On va faire ça discrètement. Ah merde. Parce que pas de jouer longtemps alors. Jouer discret, on va risquer pas de jouer longtemps, hein, parce que moi et la discrétion, ça fait 56. J'entends des gens là, non? Putain, même sur ton raider, je fais de la merde. Eh, en vrai, ça me tenterait tellement de le refaire ce jeu. J'ai toujours pas fini. Elle attend que tu ouvres la porte. Vers la porte de l'entre deux angles d'armes, tu vas voir. Tu vois. Hop là. La porte. Ouais, bah je veux bien. Pas assez de tenue sexy. Bah je sais pas. Peut-être moyen que je puisse changer de tenue d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai comme tenue? Je peux pas les mettre. Ah, faut les fabriquer. Ah non, ça c'est du. Ok. Comment on les met? Je peux pas les mettre. Normal. C'est pas ça. Pourquoi c'est marqué tenue complète? Aucun. Ah, de délinquants. On va mettre celle-là, c'est celle où on voit au moins un bras complet. Au moins l'Itrica il sera content. Hop là. Elle est sympa comme tenue celle-là. J'aime bien. Franchement, ça fait guerrière un K. Non. Oula 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 oula. Watakanami Kakade. Oh putain, j'ai une calache. La vie de ma mère, j'ai une calache. Bah désolé gros, je voulais t'avoir avec une flèche à balle. Désolé. Comment on change d'arme? Je suis désolé. Je voulais pas le tuer à la base, je voulais juste l'assommer, genre une flèche dans... Flèche dans le sgeg et on n'en parle plus. Attention. Oh la vie de ma mère. C'est un gueudin lui hein. Tiens. En toute discrétion, personne m'a vu. Hop. Je sais même pas si ça vaudrait le coup de recommencer à zéro le jeu. On va changer le nom du... On a changé. Select game. Alors attendez, parce que maintenant faut réussir à changer le nom du jeu. C'est une autre histoire. Twitch. Bah tais-toi.
remettre la petite Lara. La petite Lara Croft. Allez hop, on met juste ça. On ne perd pas. On reste sur Shadow ou vous voulez qu'on change? Autant le dire tout de suite, comme ça au moins. Tranquille. A tout cadé! A tout pété! Je crois que c'est là. Non, c'est un deck. Neuf quoi. C'est 10 ans qu'on marche dans les trucs Inca. Je crois que c'est là! Bah, va. Oh, y'a deux mecs là. Tom, 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 tom. Pourquoi tu recommences pas? Bah, est-ce que ça vaut le coup de que je recommence à zéro? Excusez-moi, j'avais. Coup dans l'œil. La tête m'a cassé. Plutôt, ouais. Moi, t'as. Je vais pas balancer des grenades à une époque. En fait, j'ai jamais continué. En fait, ça, c'est ma sauvegarde de là où j'étais arrivé. Donc, je pense que je vais juste recommencer à partir de là. Qu'est-ce que c'est ça? Infiltration réussie. Oh, la vie de ma mère. Bon, bah, on part à la calache, hein. Ah! C'est quoi qui me tire dessus? Attendez, parce que j'ai pas flèche infinie moi. Que t'as toi? Tu peux te tester? Lara Croft mon gars. Oula, d'accord, j'ai rien dit, calme-toi. Non. Oh! Attends, je recharge. Comment on tape au corps à corps? Attendez, bah je m'en vais. Alors maintenez LB puis appuyez sur A pour vous soigner. Ah, ok. Fallait le savoir. Les Kukulkan? Ouais, t'as raison, gros. Y! Oh là, ce que je lui ai mis. Maintenant, je dois ouvrir cette porte. Et tout en infiltration, les gars. On est d'accord? On est d'accord. Oh, vivement Crête des 10 sortes. J'ai tellement envie de vous le proposer là. On le fera en live. On fera des sessions chasse et pêche. Franchement, ça c'est un truc. Tout est plein. Alors, franchement, je suis vraiment le genre de mec. Vraiment un gros connard en fait. Parce que moi, j'étais. Quand il était sur console et que je l'avais sur console, j'étais vraiment en mode. Je vais plus la mort. Et en fait, maintenant qu'il a annoncé sur PC, je suis vraiment en mode gamin qui attend un jeu. Qui attend comme si c'était Resident Evil quoi. Bon, pas vraiment à ce point-là, mais vous m'avez compris, même. Je l'attends énormément. D'une part, parce que je vais pouvoir vous faire, et à ce côté, un petit peu chasse et pêche RP, déjà présent in-game, qui me tente de ouf. Vraiment, les petites sessions chasse et pêche tranquille. Un live de 24 heures chasse et pêche, peut-être personne ne restera pendant les 24 heures. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu vas descendre et arrêter de faire ta. Moi j'attends le Papa Noël alors que c'est moi-même qui l'ai acheté quoi. Qu'est-ce que je dois faire? Là j'ai quoi dans la main? Ah merde! J'ai cassé. J'espère que c'était pas un truc important parce que. Là j'ai l'impression que je peux grimper. Pas du tout. Comment on fait pour Le mécanisme de la porte doit se trouver en haut de ce mur. D'accord, merci. Le conseil, c'est cool. Heureusement que c'est là en fait. Ça me dit pas. Un reflet de merde en plus. Comment je fais? Le mécanisme de la porte doit se trouver en haut de ce mur. Ouais, bah super. Vachement content. Ça va. Tout est plein.
Je peux plus rien prendre. C'est con. Est-ce que vous pensez que je peux faire le funambule sur ce truc-là, là ? Carrément. On part sur un funambulisme de qualité. Allez, let's go. Faut juste trouver comment monter. Hein ? Un truc ? Comment pas grimper sur ce truc-là ? Ah mais si, en fait. C'est trop con. Elle est sale, Lara Croft. Elle est sale. Cochon. Oh, le monde. Des copains, eux, ou c'est des méchants? Oh, j'adore sa tenue, hein. Franchement, je la trouve hyper stylée. Regardez-moi sa tenue, elle est ouf. Elle est ouf, sa tenue. Par contre, elle est sale. Ah, il est là. Apparemment, vous aimez pas Shadow of the Tomb Raider parce que vous parlez plus. Je pense qu'on va changer, hein. Du coup. Calapil. Ah. Regardez-moi, Osman qui arrête de jouer. Bon, je le vois en live. En direct live. Mon merde ! Ushu, fais-le sortir de là ! Ah, il parle, français, elle. Allez hop, tu diras à ta mère que je t'ai sauvé la vie. Alors elle m'a dit non, me sauve pas. Je vais la violer, la pauvre. Jonah, comment va-t-il ? Ça va, ils l'ont libéré. Mais Onura, tout a été capturé. On fout. Et toi, ça va ? Ouais. Il arrête et c'est 23h. La boîte. Ouais, il a je mytho. Pas, hein. Il a mytho. Non, et moi, il m'a dit j'arrête à 22h. Hein. Il m'a mytho. Moi je pense que... Oh c'est joli. C'est bien lui. Je suis en quelle qualité là sur le jeu? Là je trouve ça incroyable. 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 Je suis en haut. Je sais pas. Même en normal des fois. Pré-réglage haut. Bon je vois ce qu'il y a au-dessus mais... Tant que ça marche, on va pas jouer sur les trucs. J'ai arrêté, c'est 23h. Mais ouais, c'est incroyable quoi. Hop hop. Et là ça va être comme Tomb Raider Anniversary. On va se taper des dinosaures. Alors je suppose que voilà. Ah. Non mais calme-toi, arrête-toi là-bas. Pas encore un aller là, j'arrive clairement plus sauter mais. Hop. Oh mazette. Oh l'ambiance. Cette ambiance jungle. Incroyable, incroyable. Bah descend. Où elle ? Alors. Oh ma zette. Oh, c'est beau. Putain, je suis en kiff total là. Pourtant, au début, ce jeu me tentait absolument pas. Étant donné qu'il a eu une baisse de prix, je l'avais pris. Mais à part ça... What ? What ? Ah ouais, d'accord. On part sur un... On part sur un bug. Ok. Bah dis donc, encore un jeu vachement bien terminé. Miséricorde, quoi. Putain, c'est un bon fou. Je joue comme ça, là... On a travaillé 7 ans sur notre jeu, n'hésitez pas, achetez-le 69€. Ah, en fait, y a des bugs. Ouais.
Est-ce qu'on a une jauge de respiration, genre au bout d'un moment elle va crever si elle reste trop longtemps dans l'eau? Plein, ça c'est plein. Très bien qu'il trouve un prétexte pour... Ouais. Ça aurait été plus simple qu'ils disent je veux pas jouer avec toi. Ouais, mais non, en vrai. Tu veux ton Kirin? Ah merde. On dirait qu'il y a un temple un peu plus bas. Enfin, je vais dire trop tard, je suis allé sur. Trop tard pour. Bon. Je suis allé sur. Cadeau. Pour aider. Voilà. Mais bon, la semaine. Alors après qu'on ait joué à Shadow, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vite VF. On va jouer une vingtaine de minutes, voire 30 minutes à comment il s'appelle, à Stygian. Alors c'est un jeu univers Lovecraftien, tout ça. En fait, je dois faire une vidéo dessus. Et enfin, je dois faire une vidéo, un stream dessus. Assez rapidement. Qu'est-ce que Dominguez va lui faire? Donc je vais le faire là en même temps, comme ça, voilà. Et je mettrai la vidéo dans 24 heures. Moi, je tourne plus de vidéos, donc en fait, toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne, ça provient des streams en fait. Donc, quand je mets une vidéo sur ma chaîne, bah c'est que des streams. Par contre, je fais plus de montage, mais par contre, je vais faire une petite exception pour Halloween. Je pense que vous avez cru remarquer que depuis début octobre, là, je fais pas mal de live horreur. Bon, j'en fais toujours, mais là, j'en ai fait un peu plus que d'habitude. Justement, parce qu'il y a le 31 octobre qui arrive. C'est où? Plonger. Elle vient de me dire de plonger. Oh, c'est joli, c'est trop bien fait. Donc, vous aurez le droit à un petit best-of des familles. Best-of tranquillou. Oh, je me fais violer. Oh. Ok. Il y a des piranhas. Bah super. Non, mais si on me dit pas tout, t'es chiant. Si on me dit pas tout, moi aussi. On m'a pas dit moi qu'il y avait des piranhas, moi j'aurais su qu'il y avait des piranhas, je serais pas allé. Par contre, n'approchez pas les poissons, hein, parce que... Je sais pas c'est lesquels les piranhas, moi. J'ai pas envie de me faire violer, hein. Oh, qu'il y a des anguilles. En plus... Ah, des rochers. S'il y a une anguille là maintenant, ça fera qu'il y a une anguille sous roche. Donc je suis vachement drôle comme mec. Moi. Nager plus vite. Je vais nager plus vite. Ça fait trop peur. J'aime pas. Passage où t'es dans l'eau comme ça. Je sais pas si... Ça peut se passer. C'est Dieu. T'as tué Lara. Mais non. Ça c'est... un détail. Pas ce passage. On va aller par là, tiens. Allez. Je le sens bien par là. Là, je sens qu'il y a un truc de ouf. Juste en train de revenir dans l'endroit où j'étais tenu en fait. Là c'est juste en dessous. Mais oui, ridicule. Ah bah j'ai récupéré un truc. C'est bien qu'elle arrive à l'enlever cette. Super, j'ai récupéré des trucs. T'as vu, il doit être privé. Je vais être privé de bonbons. Ah, carrément, de bonbons, quoi. Ça va, je mange pas énormément de bonbons, donc... Tranquille. Comment elle a dit que je devais faire pour accélérer, là? Comme ça. En vrai, je suis trop pris par le jeu, là. Faudrait que je m'arrête à un moment, parce que là, si je sens que... Donc, what? Hop. Vous avez vu ça? Mais bien sûr que oui, on l'a vu. Et pourquoi on l'a vu? Parce que, bien, je suis la réprof. Forcément, moi, tous les pièges, ça me connaît. Je tombe jamais dans ce genre de conneries, moi. Jamais.
Moi et les pièges. Vous savez, pilleur de tombe depuis 92. D'un moment, tu connais tous les bails. Hein. Tu connais tous les trucs. À chaque fois que t'as quelque chose, hein. T'es tranquille. Qu'est-ce que tu penses que c'est là? Bien entendu. Hop, hop, hop. C'est quoi ça? Ok. Oh. À la base, j'étais juste venu parce qu'on m'a dit qu'il y avait un truc en fait. Oh, hop, hop, hop. Je peux utiliser mes armes? Mais pas du tout. Pas du tout. On en rappelle. Hop là. Allez, hop. On va sauter à la prochaine, là. Je me sens trop bien. Hop, 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 hop. Incroyable. Quel moment de pure folie. Oulala, là, je vais me faire attraper, là. On voit que dalle. On voit rien du tout. Hop, attendez. Je suis pas... Oh! La vie de ma mère. Toi, tu me refais ça une fois, je te nique. Explorer pour trouver l'entrée. Bah, je suppose qu'elle doit être là-bas, l'entrée. C'est tellement logique, en fait. Oh. Dragon Shintok. Matériel manquant. Passé ce point, vous avez besoin d'un fusil à pompe. Ah bah super. Super, il y a de la discrimination même dans le jeu, quoi. Allez hop, on n'a pas besoin de respirer, nous on est des gueudins. Au moment, il faut quand même qu'on respire, quoi. Ça me fait peur cette histoire. Je peux plus respirer. Lara, elle va commencer à avoir peur. Et bon, on peut respirer. Oh my god, des anguilles sous roche. Ah non, c'est des murènes. Putain. Ah putain. Oh my god. La vie de ma mère. C'est une anguille morte en fait. Toute ta famille, je les ai défoncés. Allez, casse-toi. On va laisser peser, c'est moi qui régale. Et c'est moi qui gère, en fait. Si, c'est mon domaine. Je repars pas maintenant, t'es pas pressé, en fait. Des murènes, putain. Mais et tourne autour de moi, là. Nique-toi, casse-toi. La vie de ma mère, si j'étais une autre murène, je t'aurais déjà défoncé, ta mère. Casse-toi. Allez, on se casse. Elle me poursuit. Je l'entends nager là. Oh, oh my god, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, 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 je me suis pris un sale truc dans la gueule. Ok, ok, mais c'était volontaire en fait. Je voulais aller là depuis le début. On va rigoler? En fait, non. Pourquoi on aurait dû rigoler? Oh, la musique! C'est des Caraïbes, le bordel. Il y a des trucs sous l'eau. Il n'y a pas de piranha, moi ça me va. Hein. Clairement. Mais je suis plein partout quoi. Je suis pleine. Je dirais pas de quoi. Hop. J'ai un problème, je fais quoi? Faut que j'aille. Que des cascades dans ce bled. Qu'est-ce qu'il faut? Je suis coincé. C'est quoi ce bruit là? Ah ok, d'accord. Hop là, voilà, c'est comme ça en fait. Hop, 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 hop. Ok. Voilà. Comme j'ai dit, un propriétaire de tombe. Non, stalactite. Stalactite, ils ont l'air juste en pierre et pas en glace d'ailleurs. Ok. On est dans le tombeau, vous pensez? Je me suis juste perdu. Nouveau camp découvert.
J'espère que je suis dans le tombeau quand même. C'est un con que je fasse tout ça et que je sois pas dans le tombeau. Normalement j'ai tous les DLC donc je sais pas ce que ça apporte. Désolé. La bataille a dû être incroyable ici. Bataille. Mon fils, bataille. Non, impossible. Oh. Je peux plus rien transporter. Qu'est-ce que c'est ? Oh là là. Ah ouais, c'est marqué d'une pelle et elle utilise son couteau. C'est logique, hein, Lara. Mais ouais. Mais ouais, t'es logique. Je t'aime quand même. Malgré tes problèmes. Malgré tes problèmes. Ah, tout à l'heure, j'étais en train de me dire un truc. Je sais. Quel film j'étais en train de penser? Il y avait un film où j'étais en train de me dire, mais en fait, elle a un ego de. Merde, c'est dans quoi? Ah oui, dans La Reine des Neiges. Alors, faut savoir que tout à l'heure, j'étais en train de conduire pour repartir chez moi. Simplement. Et des fois, on se fait un petit kiff avec ma soeur, on écoute une musique de Disney. Et en fait, bah moi, comme j'étais en train de conduire, j'étais concentré à fond sur la route. Quoi. Et puis, là qui arrive la musique de La Reine des Neiges. Où elle fait « Je voudrais un bonhomme de neige ». Et en fait, et là, c'est à ce moment-là où je me suis dit « Mais en fait, la meuf, quand même égocentrique de ouf, quoi. » Parce qu'elle demande à sa sœur de lui faire un bonhomme de neige, elle veut jouer et tout. Et genre, ce que sa sœur ressent du fait qu'elle peut pas utiliser ses pouvoirs, elle s'en bat les couilles. Voilà, j'ai pensé à ça. Pendant 2 heures. Oh, c'est magnifique, putain. Comment il a atterri dans cette caverne? C'est magnifique. Oh, incroyable. C'est incroyablement beau. C'est incroyablement beau. C'est juste une dinguerie, quoi. C'est une dinguerie. Je m'attendais pas à voir ce genre de choses dans la vraie vie, quoi. Incroyable. Parce que c'est là. Il est sur X pour donner un coup de pied dans le radeau. Ouais. Oh, trop. Hop là, ça dégage. Merci en mode psy. Non mais ouais. Non mais c'est vrai, d'un côté j'ai pas tort. La meuf elle passe la moitié de la chanson en mode je voudrais un bonhomme de neige, nanana, pense à moi, mais ta gueule en fait. Je veux dire pense à ta sœur aussi, je veux dire. Oh. C'est beau. Comment je fais pour faire ça là? Ok, déjà ça sert à rien. Ok. Oh, la musique, l'ambiance, la scène de quoi. Hop hop hop. Ok. Quand on tombe sur des squelettes, on démissionne. Oh mais il est immense. Ouais, y a moyen que ce soit là. Hein. On va tomber sur une murène là. Elle va venir, elle va faire. Parce que les murènes, c'est pas les poissons qu'il y a dans La Petite Sirène avec Ursula. Je me demandais ça. J'hésite si entre des anguilles ou des murènes en fait. Parce que les murènes, c'est pas électrique, c'est juste ultra vif. Donc, je pense que c'est pas par là. Maléfique 2 est génial. Ah ouais, je l'ai pas vu encore. Alors en ce moment, je t'avoue, c'est un peu shorty niveau dépenses, étant donné qu'il y a la PGW qui arrive, et étant donné que j'ai pris Red Dead Redemption 2, c'est un peu voilà quoi. Et pas de cinéma pour moi ce mois-ci ni le mois prochain. Alors c'est con parce que ah bah regardez hop, c'est con parce que je voulais absolument regarder appelle. Comment il s'appelle? Bienvenue à Zombieland 2. J'adore ce. Le canon est en position, d'accord. Ok, je le conçois.
parce qu'il faut qu'il tire dans la corne. Ah, ok, je ne dois pas tirer dans la corne. Qu'est-ce que je dois faire alors? Merde, ça m'en rappelle. Hop là, ok, pas ça non plus. Le canon est en position, d'accord, je le conçois. Ah, est-ce que je peux grimper sur le mât? Une autre histoire. Puis-je grimper sur le mât, monsieur? Non, okay. J'accepte le fait que je ne puisse pas le faire. Là, par contre, ça, je peux le faire. Donc, il y a un truc qui me dérange. Comment je fais pour grimper là? Je peux le rebouger, ouais. Je peux le rebouger apparemment. Je peux aller le voir. Ah. Apparemment ça je peux le rebouger donc c'est pas un problème. Par contre les énigmes, moi je suis pas une grosse merde. Ok hein. Oula, calme. Oula. Oula, je me suis tordu la cheville. Ok, c'est pas ça. Oh, malotru, délinquante. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ah, mais attends. Alors là, je suis dans l'ignorance totale. Vous savez ce qu'il faut faire. Ah, mais attendez, peut-être que ça... Tu vas le prendre, ouais. J'aime beaucoup les jeux d'exploration. Mes jeux préférés, c'est les jeux d'horreur. J'adore ce genre... J'adore les jeux d'horreur. Comment mon... Tal, si je saute là, là... Ok. Peut-être que en passant par en dessous... Non... En fait, je teste tout. Je joue à énormément de jeux et c'est très rare que je termine un jeu. Quand je termine un jeu, c'est vraiment parce qu'il m'intéresse. Ou pour raison X et Y, par exemple The Beast Inside, je joue parce que ce jeu-là, il m'intéressait de ouf. Et je l'avais pris en Kickstarter, donc je voulais pas ne pas le terminer quand même. C'est un peu con. Bon, là, ça me saoule un peu. Mais en général, je termine pas les jeux. Ah, attendez. Ok, d'accord, on peut rien faire. D'accord, ok, ok, d'accord. Par contre, je crois que je vais rester bloqué. Mon moyen que j'allais chercher. Il y a des endroits où je suis pas allé voir. Rien, tu veux dire, c'est plus de l'orthographe quel homme. On convient. On convient. Quoi? Pas l'usage de ce mot. Toutou. Je dois faire. Un truc de ouf, ça. Je peux grimper là. Oh. Tu sais qui m'envoie des messages. C'est chiant. Ah. Super. Merci. On voit rien. Comment ça on voit rien? Mais ouais, mais je suis dans le noir. Regarde, c'est bon, on voit mieux. Je suis bloqué là, ça me rend ouf. Je comprends pas. Oh là, d'accord, calme-toi. La raccrotte là. Un truc par là. Et là. Oula. Ouh, regardez. On a là. On n'a rien du tout, c'est pas intéressant. Peut-être que si en fait. Attendez, on va y aller. Hop là. Voilà, regardons un petit peu ce qu'on a. On va tout fouiller. Là c'est plein, d'accord. Plein, ça veut dire. Hein. Là par là, on n'a rien. Tant qu'il n'y a pas de piranha, moi ça me va. Ils me font peur à bouger comme des. Oh ok, il y a un squelette. Attendez, on va le voir.
Oh. Salut. Bien mort en tout. Par exemple, sur moi, je suis gentil. Ah oh, merde. Monte là. Ouf. Par contre, s'il y en a qui savent ce qu'est l'édition ultime de, Shadow of the Tomb Raider qui va sortir. Il y a une nouvelle version en fait qui va sortir, mais je ne sais pas à quoi elle correspond. Parce que apparemment ils disent ouais, on a tous les DLC, on a le Season Pass, mais il y a déjà la Croft Edition qui permet de le faire, donc je sais pas à quoi elle correspond la dernière version qui sort. Pouf pouf. L'œil de serpent. Il y a une relique. Que je peux pas revenir en arrière de toute façon. Ça me rend ouf hein. Y'a pas un truc que je peux attraper de l'autre côté là? Ah attendez. Ok, j'ai peut-être compris. Regardez. Si je fais ça. Est-ce que vous pensez que totalement raté. Mais pourquoi elle l'attache? On peut pas. Comment on fait pour faire en sorte qu'elle l'attache à deux endroits? Ah d'accord. Je suis où là, putain? Mais où est-ce que je suis? Ah je suis là. Elle est chiante. Attendez, regardez, on va faire un truc. On va faire un truc de. Vous allez vous dire mais waouh, trop intelligent quoi. Ça marche pas. Je vais dire waouh, trop nul en fait. J'ai voulu sauter là. On peut pas définir genre je tire là-bas et après je veux tirer là. Je tire là. Mais arrête! Mis le lien. Où est-ce que t'as mis le lien? Ah oui mais non, faut me l'envoyer sur faut me l'envoyer sur. Attends, quoi? Il y a vraiment aucun moyen que genre je tire là et après je tire là-bas. Boulou ça. On me l'envoyait sur Discord parce que les liens sont prohibés sur, sur Twitch. Je suis sûr c'est ça hein. Faut que. Ouh, qu'est-ce que je fais? Dictature. Pas dictature, c'est pour éviter qu'il y ait des. Des trucs un peu. Hello. Merde. Ah mais c'est un truc Amazon, je croyais que c'était la solution que tu m'avais envoyé. Ok d'accord donc, ok. Je comprends du coup à quoi elle sert la dernière. Je ne comprenais pas. La vie de ma mère, je suis sûr c'est ça hein. Mais moi pas comprendre ce qu'il faut faire là hein. Parce qu'en vérité, je peux pas sauter plus. Non. Pas. Regarde mon let's play lol. Et est-ce que tu. Ouais, j'ai pas passé ma vie à chercher sur chacun des épisodes. Où est-ce que t'es allé pour faire ça? Ça c'est une relique. Pas obligé de la faire. Ça se trouve que tu l'as pas fait. Allez. Ça me rend ouf. Bateau fantôme. Fantôme. Shadow. Ok. Dans mon casque, putain, je me disais, c'est quoi le bruit que j'entends? Est-ce que c'est ça déjà? Oh, ça va sur. Ça a l'air d'être ça. Mais en fait, je suis trop con. C'est vrai que j'ai ça? Je dois atteindre la proue. C'est vrai que j'ai ça en fait. Est-ce que ça m'aide? Non. Je peux peut-être passer par là. Ok. Je dois atteindre la proue. Ça, on a compris, ta gueule. Comment je fais pour atteindre la proue? Ouais, donc ils disent bien qu'il faut aller là. Donc c'est bien là, hein. C'est bien. Je dois atteindre la proue. C'est bien ça.
Apparemment, il y a un truc à faire là aussi. Ah, mais putain. Ok. J'ai envoyé un smus. Ah bon, j'ai rien reçu. J'ai pas reçu ton smus. C'est bon, on a réussi, on s'est débloqué les gens. Désolé. Bah c'est pas un... Ouais, c'est un challenge, c'est une relique, quoi. C'est un truc à part. Bon, en tout cas, on a réussi à venir jusqu'ici. Hop là. Par où est-ce qu'il faut? Ok. D'accord. Ça doit être sûrement vers la gauche. Non. Au-dessus. Ok. C'est par là. Nickel. Ok, et donc maintenant. Je dois atteindre cette caisse. Et toi par contre. Non, ça bouge pas. Ça bouge pas. Pas assez forte apparemment la Lara Croft. Hein? Oh, tu crois que je peux atteindre ça? Trop loin. L'atteindre. C'est beaucoup trop loin, on est d'accord. On va tenter, mais. On va tenter, mais je suis pas sûr que ça marche. Ok, ça marche pas. C'est pas comme ça. C'est bon, je crois que j'ai reçu ton smus. What? J'en ai eu plein. Remnant for the Ash, ça me dit un truc. Ça me dit, il y a moyen que je l'ai testé. Je regarderai. Oh, c'est quoi ça? Ah, oh, mais non, ok. Moyen que j'ai testé Remnant for the Ash. Alors, je dois l'avoir dans ma liste de jeux et je l'ai pas, j'y ai pas joué. Mais en tout cas, ça me dit un truc. Regardez. Oups. Pouf pouf. Où est-ce qu'ils sont là? Ça me dit un truc, hein, vraiment, ça me dit un truc. Attends. Oh. Allez là. Merde. And from the hash. Hash. From Steam. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Mais je crois qu'Auron il a l'a testé, il m'a dit que c'était pas ouf. Y a pas eu de bug, donc apparemment ce que j'ai fait ça a réglé le problème. Donc maintenant que faut-il faire là? Ça je peux pas le tourner parce qu'apparemment c'est pas concevable de le tourner. Est-ce que vous pensez, en vrai j'aurais pas dû le tourner, j'aurais dû le laisser normal. Ça m'aurait permis de faire un truc. Parce que là, en vrai, je peux rien faire de plus. Rien faire, quoi. Pas par là. Ça m'a rien de venir là. Ça va faire la fofolle. On fait la fofolle, littéralement. Pouf. D'aller là. Non. Mais quoi? Ok, il y a un truc qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? Je dois atteindre cette caisse. Oh, je suis tombé. Oh, nickel. C'est bon. On est tranquille à ce niveau-là, on peut repartir. Il y a un boss dedans qui ressemble à Haussmann. Sérieux? Trop bien. Ok, je pense avoir compris. On va voir si c'est ça.
ce qu'on va faire. On va remettre le truc comme c'était, je sais plus où c'est. Là, je crois. Là. On va le remettre comme c'était. Ah, c'est dans l'autre sens. Elle veut plus. Elle est con. Pourquoi elle veut plus? Ah voilà. Mais elle est con ou quoi? Elle est débile, hein. Débile, mais gueule. Oh, t'as pas fini, hein. Oh le fail! Oh le fail! Oh non. Je sais pas à quoi il ressemble. Bah moi je sais! Ha ha ha! Je sais à quoi il ressemble. Et en plus je le vois dans 2 semaines. Dans 2 semaines je vais le chercher. Et on va à la PGW. Ok, ça sert strictement à rien ce que j'ai fait. Super. Ok. La vie. Tu vas libérer la baume. Quelle baume? C'est quoi une baume? Eh vas-y, elle me rend ouf, hein. Non. J'ai quitté la solution. Bateau fantôme. Shadow. Tomb Raider. Le Sun Code de là. Après, une fois que j'ai fait. J'ai déjà allé plus loin que moi. Oui. Partie inondée. Elle me veut, elle. Qu'est-ce qu'elle me veut, elle? J'aurais jamais demandé ça. Descendez au niveau du pont et levez le levier pour positionner le canon au-dessus du pont et descendez jusqu'à une petite. Là, j'utilise. Montez au niveau du pont, tant le levier positionné sans succès. Après le long bout du mât brisé, puis sautez vers la paroi. Rapin pour s'accrocher. Quoi? Ah putain, ça là! Ce truc! C'est une boutade! Mais la vie de ma mère, c'est compliqué de ouf! Oh, mais j'aurais jamais trouvé, hein! Par contre, je vois rien, Titi Quanti là. Tout est plein, je peux plus rien prendre. Ouais, calme-toi. Là, faut que je saute là. Hop, 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 calme-toi. Merde, j'arrive pas à atteindre la boum. Oh, ça c'est dommage. Je vais crever là. La vie de ma mère, mais. La meuf, elle saute des trucs. Putain, elle arrive pas à le sauter. Bon, dingue. Par contre, je suis dans la merde là, non? Parce que j'ai enlevé le truc de l'autre côté. Du coup, ce que je fais, ça sert à rien. Faut que je reparte en fait. Là. Du level dans les autres jeux. Ah là, c'est. Ah, ok, d'accord. J'avais pas vu le message qu'il y avait juste avant. Ok, je le comprends. Hein, toujours de la rage, apparemment. Faire. Je dois orienter la boum. Oula, non mais la vie de ma mère, t'es sérieuse là? T'as des mains, tu peux te rater. Non mais là. Pas sympa de la tuer, bah c'est pas sympa pour elle de crever. Hein. Moi j'y peux rien, hein. C'est elle. Orienter la boum si elle sait pas quoi faire, elle peut. Hein. Mais oh, orienter la bombe mon cul.
Moi aussi, je peux l'orienter la bombe. Déjà, faut savoir comment faire. Je dois orienter la bombe. J'avais con. Pas là-bas, là. Hein? J'ai peur en sautant que de me péter la gueule, en fait. Comment je dois faire? Bon, écoutez, on va tester, on va sauter. Faire. D'autres endroits où je peux aller. Pas d'autres endroits, apparemment. Voilà. On n'a pas un coup de piolet à mettre dans le mur. Bon. Ok, donc c'est pas ça. Alors là, courir le long du mât, puis sauter vers la paroi, grimper et remonter à la falaise pour pouvoir sauter en direction du troisième mât. Viser le pied, nanana, grimper ensuite le long et plancher. Tourner au niveau de la paroi. Oh, et sauter en bas. Oh. D'accord, ok. Oh mais faut... Okay, hein. Comment je fais? Ok, d'accord. Ah, pardon. Mais non, pas là, on t'a dit. Pas, hein. T'es con, hein, c'est pas possible. C'est un problème. Elle veut pas sauter. Ah si, là, c'est bon. Ah, attendez, c'est là. Putain, c'est là qu'il faut que je saute. Putain. Elle me rend ouf, hein. À quoi ça sert de monter là? Sans déconner, ça sert à quoi de monter en haut? Bon, dingue ce jeu. Bon, tu grimpes, s'il te plaît. La race, c'est pas aussi mal que tu... Enfin, la race, c'est pas aussi mal que tu... Mais je veux bien, mais c'est où? Eh, la vie de ma mère, ce jeu... Ce jeu me rend ouf, hein. C'est incroyable comment ce jeu me rend ouf. Bateau... T'as pas une vidéo, ce sera plus simple. Merde, Shadow Hunter. Shadow... de Tomb Raider. Voilà, ce sera plus simple. Oh non, Dark. Fortnite. Fortnite en même. Ça, je l'ai vu. Ça, je sais. Ah, voilà, on est arrivé là. Ok, il monte. Sérieux, là? Eh ouais, putain, ça se voit en plus, hein. Je suis bigleux, hein, c'est pas possible. Pas possible autrement, je suis bigleux. C'est incroyable, quoi. J'ai tout en face de moi, mais je vois rien. Je peux plus rien transporter. Jeu d'exploration, c'est tellement pas fait pour moi. Tellement nul pour ce genre de truc. Attention. Hop là. On va juste faire un truc. Et repartir dans l'autre sens. Parce qu'on... Du coup, pour remettre en place le canon. Par contre, c'est moi où la corde, elle est plus là.
un moment la corde elle se casse quoi. Pas très réaliste comme jeu là. Et après 45 minutes, il arrive enfin à réaliser ce défi. Enfin, je sais pas si ça fait 45 minutes, mais ça fait un moment quand même qu'on est dessus. Et t'avances, wesh. Ah, elle a grossi pendant qu'elle sautait, ou ça se passe comment là? Voilà, c'est bon. On va pouvoir tourner. Non, je pense que ça doit être dans l'autre sens. Hop là. Nickel. Maintenant. Voilà. On saute là. On saute là. On va là. Tranquille, bidou. Voilà. Ça change des défis de Resident Evil, c'est pas vraiment la même chose. Pas même type de jeu non plus, hein. On est pas sur le même type de jeu. Qu'est-ce que je suis censé faire? Déjà, il y a un truc qui est pas activé. Par contre, s'il y a encore 20 ans après là à faire, totalement raté. Essayer de sauter dans le trou. Oh, j'ai failli mourir. Alors là, ça aurait été incroyable. C'est ouvert ici? Ah non, ça a dû s'ouvrir après en fait. Imaginez depuis le début la porte là elle est ouverte. Franchement, le délire. Voilà, tout ça pour remettre une plaque à un endroit quoi. C'est une blague. Souffle de camaïen de Rapnée dure encore plus longtemps quand vous nagez sous. J'abandonne le navire. Oh sérieux? Tout ça pour ça là? Tout ça pour respirer plus longtemps sur l'eau et sous l'eau et se faire niquer par des murènes. Bah génial. J'adore. On pouvait partir par là. Eh ben, on éternue. Ah, en fait, j'aurais pu me barrer depuis longtemps. Il y a une porte ici. Merci Ingrid. Au moins une personne qui est genre. Y'a quoi par là? Y'a rien. Et de l'autre côté? Y'a rien non plus. Ah, mais c'est l'endroit où j'étais tout à l'heure. Je dois faire quoi alors? Mais quoi? Mais je me suis barré aussi loin de mon objectif? Ah ouais. Ah ouais, ok. Bah je reviens. Fais de bons streams. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Ouais, si tu fais de bons chats. Je savais pas quoi dire. Comment faire? Ça doit être par là, je suppose. C'est pas par là. Si, c'est par là, regardez. Hop. Ouh, ça fait peur. Oh, si je saute, je meurs. Bah, du coup, je saute là. Voilà. C'est les gens, garçon. Non mais par contre elle l'est pas hein, parce que foncer contre un mur, incarnation de la débilité cette meuf. Hop. Mais avance. Oh. Plaisir.
Oula, attention, attention. Hop, 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 hop. Elle est chaude. Non mais alors là, par contre, je vais la chercher. Hein. Ah. Oh. Ça recommence plus ça, hein, par contre. J'ai des bruits chelous dans mon casque. Ça, c'est toujours plein, apparemment ça a pas changé. Apparemment ça j'en ai plus besoin parce que je respire plus longtemps sous l'eau, donc on va mettre ça à l'épreuve. Par où est-ce que je vais? J'ai toujours pas avancé. Attendez, je fais quoi depuis tout à l'heure moi en fait? C'est bon là? Oui, c'est bon. C'est bon, on avance un peu là parce que ça commence à me saouler. Ouais, ils m'ont eu tout à l'heure, putain. Ils m'ont eu tout à l'heure, les piranhagnas. Ils m'ont fait peur d'ailleurs. Je m'attendais pas, moi j'ai fait oh les petits bâtons. Et d'un coup, il y avait plus de Lara. Et il y avait encore les poissons par contre. Eux, ils étaient encore là. Le casque il va tomber, allez hop, ça on va aller se poser. Franchement il est beau hein. Pourquoi j'ai... Il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi je voulais plus le faire? Oula, calme-toi. Pourquoi je voulais plus faire ce jeu? Hop, on va descendre. Hop, on saute direct. Ouh, hop, hop, hop. Ouais, je l'ai acheté. En fait, je l'avais acheté quand il était passé, genre deux semaines après, à 30 euros. Avec tous les DLC. C'est le moment où t'as tout le monde qui l'avait acheté à 70, qui gueulait parce que il était passé à 30. Bah, moi, je suis l'un de ceux qui l'ont récupéré à 30. Mais bon. Oh putain, c'est quoi ça encore? Calmons-nous. Ouais, non, mais en fait, en énigme et en recherche, en analyse, je suis vraiment une grosse merde. Dans tous les jeux, hein, pas que dans... Oh, regardez, tout à l'heure, on en avait besoin. Dans tous les jeux, dès qu'il y a des trucs à regarder, moi... En fait, je passe mon temps à avancer et je regarde pas suffisamment autour de moi. Donc, forcément, quand t'as ce genre de réaction, bah, tu vois pas tout. Moi, j'ai eu gratos. Ouais, bah... Ok. Chacun son truc, hein. Nouvel équipement, yes. Ça doit être les soldats des Trinitaires qui ont disparu. Mais pourquoi je suis toujours en plein, là? Calmons-vous. Calmons-vous. C'est nouveau, ça vient de sortir. Compétences. On a des nouveaux trucs. Apparemment, j'ai 3 points de compétences, ce qui est incroyable. Repas de la couchette. De la chouette. My god, je sais plus lire. Nid de la vipère. Augmente la quantité de ressources fabriquées. L'heure de la vipère. Piège de la vipère. Ok, à gauche c'est quoi? Ok. Charge du puma permet de charger l'arc plus rapidement, réduit le temps de tir char... Oh cool! C'est bien ça! On adhère. Comme Abdel. Abdelkader. Il a pas compris. Ok. Ça en est bon. Du coup, quelle arme j'utilise en général? C'est celle-là, là. Celles-là, apparemment, elles sont moins bien. Est-ce que je peux améliorer? Non. Je peux l'améliorer? Non. Comment on améliore? Non. Ah, je peux améliorer. Je peux améliorer toutes les autres. Mais celle qu'on utilise, on peut pas l'améliorer. Bah, super. Alors, attends. Je vais m'équiper de ça, comme ça, lui. Ah, bah, super. Je peux pas l'améliorer non plus. Bah, tant pis, j'améliorerai pas. Ah, regardez, attends. Poignée de la terreur. Oh, trop bien.
Trop bien en fait. Oh, j'ai deux armes là. Ah non, j'ai 25 000 armes. Qu'est-ce qu'elle me sort là? Ok. La pompe, bien entendu. J'en ai d'autres. Oh, alors lui. Alors lui, par contre, lui, il va roxer lui. Hein. Il va roxer du poney, un truc de ouf. Un truc de malade. Hein. J'aurais bien voulu faire les DLC, mais tant pis. Voilà. Les DLC, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est des... Alors j'ai changé de fusil à pompe. C'est un des DLC apparemment, si j'ai bien compris. Et j'en ai pris un qui est mille fois mieux que celui qui me propose là. Donc ouais, ça part en cheat, hein. Ça part en cheat, mais à partir du moment où c'est donné par les DLC, c'est pas vraiment du cheat. On peut pas vraiment dire que c'est du cheat. Mais j'avoue que c'est pas très legit. J'avoue. Écoutez, on est un pigeon et qu'on paye tous les DLC, faut bien qu'on ait des petites compensations. Hein. J'aime pas, j'ai l'impression de me retrouver dans le... Oh sa mère! J'ai l'impression de me retrouver dans le premier Tomb Raider. Avec la déesse... Du coup, je sais plus quoi là. C'est un Lickers de The Last of Us, ça! Ah, vous êtes trompé de jeu, les gars! Oh my god! Il m'a fait trop peur! Oh my god! Alors là, faut clipper, hein! Faut clipper, les gens! Oh my god, comment il m'a fait trop peur de ouf! Ah, vie de ma mère, tu te relèves, je te nique, en fait! Tiens! Non mais incroyable! Ah, il y en a là-haut. Hop là. On va laisser peser. Il est où là? Laissez-moi tranquille en fait. On voit la d'autres. Non, t'arrêtes. Wow! Wouah! La vie de ma mère, ils font mal, hein. Hop, hop, hop. Oh là là, ce que j'ai mis, par contre. Il a souffert. Oh, lui aussi, t'as souffert, toi. Oh, toi aussi. Oh putain, lui, il appelle sa mère. Il tire dans les trucs verts. Bah, ça, j'en sais rien. C'est pas à moi qu'il faut demander. Ah oui, en effet. Oh, mais ils font mal de ouf. J'adore le bruit qu'il fait, on dirait un pistolet pneumatique, mon arme. Oh, il crame. Je bouge. Ok. On va détruire. Là, il y a des trucs. J'aime pas. Par contre, ça fait très Ikumo... Enfin, je crois que c'est ça, la DS. Dans le premier. Il y avait pareil, il y avait des petits monstres comme ça. Les flipper leur race. Et aussi un passage avec Himiko, voilà. Himiko. Oh, j'y étais presque. Oh my god. Il y avait une sorte de fumée verte aussi. Il y en a un, il va me sauter dessus. Vous avez clip le passage de tout à l'heure. Ah, je le retrouve. Pastoche. Ah non, c'est à moi, ok. Attendez, ok. Hein. Il y a quelque chose qui bloque. Bon. Attendez, juste, je vais aller chercher de l'eau parce que j'ai trop soif. Je reviens, j'arrive.
Heureux? Ça va, je vous ai pas trop manqué. Et là, ils sont tous partis. C'est bon, le mec, il va chercher. J'ai de l'eau. C'est parti. C'est parti, d'accord. Pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait un truc. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Je vais devoir le tourner moi-même. Ouais, ça j'avais compris, merci. Ok. Ah, ok, d'accord. Oh, j'ai récupéré une araignée! On ne faut pas eau et eau de javel. Ah oui, ce serait dommage. Ce serait ballot quand même. Ce serait con, même. Ok, donc apparemment, j'ai peut-être pas tourné dans le bon sens parce que. Il va me saouler. Hein. Je peux pas en faire. Ah, mais putain, mais. Fallait le dire aussi qu'il y avait un truc là. Oh, il y a des murènes. Obligé, il y a des murènes. Oh non, regardez-moi, il y a des cadavres. Oh non. Vendez le minerai d'or au marchand. Ça, c'est un truc qu'on pourra faire dans Red Dead Online. Parce qu'ils ont instauré, déjà, rien que dans Red Dead Online, un système de RP, on peut avoir des jobs. Oh, la vie de ma mère, je suis morte. Bon, oubliez ce que j'ai dit au début de quand j'ai commencé à jouer à Tomb Raider. Je disais, ouais, les trucs comme ça, moi, je vais... Hop, hop, hop. J'ai trouvé Fastoche et tout. Payer, hein. Je fais quoi, moi, maintenant? Comment on s'accroupit dans ce jeu? Ah ouais, ok. Du coup, je disais, ouais, dans Red Dead Online, ils ont instauré un... Ils ont mis un système... Un mec derrière moi? Non, ça va. Ils ont mis un... Vous allez me laisser parler, là? Bordel de merde. Incroyable. On peut plus parler, maintenant, de nos gens. Chaque fois, il se passe un truc. Hop, on va sauter directement là. Hop, oh, 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 oh. C'était chaud. Ah, voilà, j'ai eu peur. Oh, 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 alors là, il y a un pic qui m'a frôlé là. Hein? Je vais pas dire le mot, mais vous avez compris. Perforé de part en part. Là qu'on dit qu'on aimerait bien être ce piège. Oh non. My god. C'est beau. Ça alors, y a quoi derrière cette porte? Mon cul. Bah alors, ça va pas dire ce genre de choses en live. Non mais la meuf, elle fait des trucs au calme toute seule quoi. Elle demande même pas si elle a le droit. Ça m'enrouve. Du coup, je disais, dans Red Dead Online, ils ont instauré un mode RP déjà en fait. On peut déjà travailler en tant que chasseur de primes, en tant que marchand de peau, enfin de marchand quoi, des peaux de bête, dans le genre, et en tant qu'explorateur aussi, où en gros t'auras des cartes au trésor et tout, tu peux te faire des points d'expérience et également de l'argent. Donc en attendant Redem, ce qu'on fera c'est que bah on sera peut-être du chasseur de primes, ou de l'explorateur. Et pas, on verra. On verra. Pas en fonction de ce que vous décidez. Mais honnêtement, petit chasseur de primes, là, ça me tente bien. Hop là. Sur Adem, on n'aura rien. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais je veux dire, en attendant Redem, on peut commencer déjà à faire des petits trucs comme ça. La boîte est peut-être là. La boîte. Alors, je sais pas si c'est moi, mais moi j'ai rien suivi à l'histoire. Je sais pas de quelle boîte elle parle. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? J'aime pas cette ambiance là. Elle s'est coupée d'un coup. Ah, comment. C'est quoi ça?
Ah, mais attendez, est-ce que je peux pas les enflammer? Comment je fais pour changer de flèche? Comment? Oh, ok, désolé, pardonnez-moi. Apparemment, c'est pas ça, donc... pouf, pouf. C'est des bruits bizarres, quand même, hein. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que j'aille là-bas. Venir aux pompes dedans. Ok, on va essayer. On va prendre le pompe. On va laisser peser, c'est moi qui régale. Marche pas. Au moins, ça c'est clair. Voilà. Un endroit, peut-être là, regardez là, par exemple. Oh, cette salle ne sert strictement à rien. Ça va me faire chier, normalement. D'accord. Cet endroit, je connais cet endroit. Là, je suis déjà venu. Oui. On a un truc là-bas. Par contre, je veux pas recharger. Ah, j'ai plus de balles. D'accord. Ah, ça, ça sert à rien aussi. Tac, tac, tac. Attendez, regardez. Super. Super, super. Merde, je suis tombé. Peut-être un truc au fond de l'eau, on sait pas. Ça me rend ouf, hein, ce jeu. Ça me rend dingue. Hein. Sans déconner, mais... Mais... Pourquoi faut toujours que... Mais j'ai toujours masse de trucs, en fait, sur moi. Oh, regardez, attendez. Regardez. C'est moi qui est juste trop con. Ah, alors, toi, mon gros, m'approche même pas, la vie de ma mère, je te nique. Voilà. Allez, c'est peut-être c'est moi qui regarde. Je peux plus rien prendre. Je m'attendais pas à ce que ça fasse ça, je vous avoue. Ah non, ok. La vie de ma mère. Dégage. Hein. Et qui parle encore. On flippait. Hein. Venez. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. J'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Couler l'eau jusqu'à la roue. Je fais ça, ça donne quoi déjà? Elle est où la roue? Déjà c'est pas de sens dans ce sens. Ok, déjà c'est ça. Et ensuite on part sur un... Hein. Par contre, j'ai entendu des méchants là. On est d'accord? On est d'accord? Ouais, c'est une chaîne. Ouais. En fait, il fait pas mal de vidéos et il fait aussi des streams. N'hésitez pas à trouver sa chaîne. Si... Oh putain. Et où le deuxième? Ça me sert strictement à rien. Je trouve comment monter.
1. Ah merde. Fabriquer. Comment je fabrique déjà des flèches? Ah voilà. Ça a marché? Ça a pas l'air hein. Ok, y a un truc à faire. Est-ce que vous pensez pas que d'abord faut que je fasse ça, regardez. Je peux pas le mettre à droite pour l'instant. Donc est-ce que pour l'instant je devrais pas le mettre à droite? Ça, je m'accroche dessus. Moi, ça, ma chaîne, en réalité, enfin, je vais aller dessus, mais en réalité, là, elle sert plus de chaîne VOD à Twitch qu'autre chose, en fait. De temps en temps, je sors un petit best-of. Voilà. Alors, si par ma gueule. Alors, par exemple, pour Halloween, il y aura un best-of de tous les moments effrayants qu'on a. Genre. Ça là, dégage. Et pour ça, en fait, le mieux, pour que j'arrive à retrouver les passages les plus effrayants, c'est pour ça que je demande de clipper, en fait. Pour ça, plus il y a de clips, et plus moi, ça me permet de pouvoir... retrouver les passages où il y a eu ce genre de truc. Tout simplement. Ça marche plus le point d'exclamation clip. Pour appuyer. Oh, je vais le tuer, regarde. Oh, dommage. J'ai pas réussi. Il est passé où le mec? On a une autre. Putain, c'est Ra's al Ghul. Mais ils sortent d'où comme ça? Mais ils sont où? Hop, 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 hop. La vie de ma mère. Toi, dès que je trouve comment on attaque au corps à corps, je te nique. Ok, c'est... ouais, c'est... ok. Sortir le fusil à pompe, hein, tant pis. Pas vraiment le fusil à pompe, mais j'accepte aussi. Je me suis fait toucher. Y'a un mec à ma droite là qui me tire dessus. C'est bon là, vous êtes calmé maintenant? La loi c'est moi ici dans ce terre-terre. Ouais, qu'on soit obligé de montrer sa supériorité quoi. Est-ce que je peux grimper là? Tu sais, j'avais envie, ok. Deux portes. Évidemment. Mais ça doit être la dernière. Bah, je fais comment du coup? Il veut plus appuyer sur mon truc. Apparemment, je dois aller sous l'eau. Ah putain, faut que je passe à un moment précis là. Là, ils sont sérieux? Je suis closé. Oh là, c'est bon, j'ai réussi. Attention aux piranhagna ou aux musaraignes. Enfin, les muraignes plutôt. Pas mal, hein. Cote. Sinon, comment vous allez, vous? Je vais pas demander encore, je suis mal poli.
Pire streamer ever, quoi. Ça fait 2 heures qu'on est en stream. Même pas demandé comment vous allez, quoi. J'ai vu des mecs tout à l'heure. Comme toi. Wow. Oh, t'es sérieux? Voilà. Il y avait un mec derrière moi, je crois, non? Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Plein, je suis plein. Oula. Hop, hop, hop. On se calme. Oh, la vie de ma mère. L'autre. Et où l'autre? Bah reste là-bas. Hein. Reste toujours où t'es. Moi je veux pas te voir. Alors, y a un mec qui grogne là. Je sais pas s'il est. Il est chiant. Je sais même pas où est-ce qu'il faut que je l'emmène ce truc. Regardez, y a moyen que je puisse aller là. Je vais aller là regarder. Oh là là, quel professionnalisme. Il est le mec qui grogne là. T'es malade et toi? Bah écoute moi, ça va. Motel. Faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Donc là, là, qui nous emmerde, non? Si je crache dessus. Pierre Bayer, quoi. Pleine. Je suis pleine. Toujours pleine, de toute façon. Ça change pas. Ok, donc par là, y a rien à faire. Par contre, y a vraiment l'autre qui... Putain, y a un cochon d'Inde, là. Laisse tomber. Je sais pas où il est, mais il nous saoule tous, hein. Bon, allez, vas-y, on se... Du coup, comment est-ce que je dois faire? Ça, je suppose qu'il faut que je l'amène là. Bon, un peu trop loin. Ça, du coup... Un mec qui grogne là, ça me perturbe. J'ai peur qu'il m'attaque à tout moment. Le mec. Ça tourne pas. Comment ça, ça tourne pas? Ok, ça tourne pas, on a un problème. Un souci dans le pâté là. Bam, voilà. Là, ça va tourner comme papa dans maman là. Et là, je sens que. Le mec il. Okay. Putain, y'a un mec qui me tire dessus, je sais pas où il est. Faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à là. Faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à là. Voilà. Non, on peut recombattre contre de vrais humains. Ah, oh la vie de ma mère. Trop mal. Il y en a encore qui arrivent là? Ça a pas l'air. Quel con. Ah, ok. Enfin, j'ai dit comme papa dans maman, c'est ça? On doutait qu'elle allait mal passer, celle-là. Oula. Oh, il a ouvert la porte, le bâtard.
Toi que t'as envoyé Ingrid la vidéo là. Patal. C'est toi le patal. Tout le marteau. Oh le kéké. Ça ressemble à son sœur jumelle. À une limite que l'autre elle a des dents en or et un truc dans le nez et la mienne. La mienne elle a rien quoi. C'est juste qu'il y en a une qui est un petit peu racaille, elle s'est mis des. Ils sont pas entrés. Ah bah c'est bon, on est tranquille alors. Par contre, tu peux fermer ta bouche hein. Bon, s'ils sont pas rentrés, on est tranquille s'ils sont pas rentrés. En même temps qu'on joue. 95. On dirait ces créatures, mais elles sont... Femme pour combattre une non-femme. Tirage de cheveux garanti. Crépage de chignon. Déesse de la prophétie. La boîte d'argent d'Ishel fut forgée au paradis et portée sur terre. La boîte vient de ces créatures. Ni les faux dieux, ni les fanatiques n'auront le droit de passer. Ils protègent la boîte. C'est pour ça qu'ils m'ont combattu comme ça. Là, ils gardent la boîte jusqu'à la renaissance du soleil. Ça se trouve, on est dans la boîte. Là. C'est forcément là. On est dans la boîte. On va se trouver avec des singes. Ça se trouve, t'es dans la boîte. Ouais, c'est ce que je pensais. What? Elle est en train de gratter un arbre. C'est un héron. Comme les tatouages de Noratu. Ah, y'a pas boîte. Elle a enlevé l'arbre indique qui permettait d'éviter que le mécanisme du piège s'enclenche. Oh. Ah du coup ils vont rentrer. T'as tout cassé salope. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Oula, ça va être à moi de jouer. Hein. Oula, ils me poursuivent. Oh là j'aime pas ça. Hein. C'est quoi cette vue putain, ça c'est saut 2015 par contre. Hein. Oh, c'était dans l'autre sens qu'il fallait aller. Je me fais défoncer. Mais je l'ai pas vu ça à la base. Mais ça c'est. Mais c'est de la triche parce que ce passage là je l'ai pas vu dans la vidéo de tout à l'heure. Non ça va pas hein. Mais il te rajoute des scènes quand tu meurs. Oh putain Mazel Tov. Calme-toi par contre. Ok, calmons-nous. Ne me touche pas par contre avec tes mains sales là, je sais pas où tu les as mises. Hop, hop, oula, oula, incroyable. 50 ans de cirque, cirque plein d'air. Je sais pas, tous les soirs. Et de la crobranche. Ah, je prends cher. Hop là, t'inquiète pas, y a pas de merde ici, on est juste des professionnels. Ne refaites pas ça chez vous. Ceci a été réalisé par des professionnels. Oula, attention, ça c'est le saut au ralenti. Pas du tout en fait. Alors comment ça se fait que quand il y a les phases de gameplay, ils sont juste. C'est les boss quoi. Ils me touchent H24 et là. Ouh attention. Attention là on va tomber sur la musaraigne. Ouais, faut pas énerver une femme, mais c'est clair, mais t'as vu ? Un harem mais dans l'autre sens. En fait, il y a une femme que des mecs. Incroyable. Pas besoin de ça, moi, je respire sous l'eau. Et là, je vais crever. J'aurais peut-être dû le faire en fait. Imaginez, il y a des piranhas. C'est bon. Allez hop, si t'es perdu. Ça y est,
j'ai réussi. On prend toujours pas ce qu'elle a réussi, hein. Honnêtement. De toute façon, elle joue toute seule, hein. Elle fait son aventure, hein. Elle explique rien. Je peux plus rien transporter. Bien, c'est la vie. Bon, Elle est plus perdue si tu l'as trouvée. Ah ouais, du coup. Elle nous ment sur la marchandise, là. Très clairement. Mensonge. Encore maintenant, calme-toi. Non. Hop, 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 hop. Ok. Rien par là. Ah, ah si, apparemment, il y a des trucs. Oh là là, mais je suis pro. Ah, attendez, il y a mes seins qui bloquent. Voilà, c'est bon. Putain, c'est Gérard, il est mort. Ah, il a quoi ? Servir pour grimper hors d'ici. Mais incroyable. Aucun remords, on vole les chaussures d'un mec. Et puis... Waouh. C'est une dinguerie. Y'en a, c'est les gilets jaunes, moi je suis les pieds jaunes. Voilà, tout simplement. Matériel d'escalade de suspension, bah oui. Mais regardez-moi, je fais un mètre de plus, quoi. J'avais sûrement un truc de l'autre côté, non? Non, mais calme-toi, par contre. Qui t'a donné l'ordre de... Me saoule, cette meuf. Je peux pas la contrôler, hein. Contrôlable. Elle fait ce qu'elle veut. Clairement. Hop. Sort de 5 qui bloque. Voilà. Ok, donc, calmons-nous. Analysons la situation. Qu'est-ce que je dois faire? Là, je dois aller là-bas, donc je suis pas du tout allé au bon endroit. Oh, regardez. Quoi, ça me sert? Ah, d'accord. Ça va me permettre de grimper là. Sur X. Hop là. Oh là là, incroyable. Incroyable. Comment il s'appelle le jeu avec les singes déjà là? Donc à bien se tenir. Je sais pas où je dois aller mais j'essaye. Voilà, nickel. C'est merde, comment il s'appelle? Bonne nuit. Ancestor, ouais. Ancestor, ils ont qu'à bien se tenir. Moi, je fais la même chose, mais en 2019. Même si je l'ai sorti en 2018, bref. Bonne nuit, rond, du coup. Mais ouais, mais c'est nul, hein. Franchement, et moi, je pensais que ça allait jusqu'à l'humain, mais en fait, ça va jusqu'à une période avancée du Moyen-Âge. C'est même pas jusqu'à l'humain, c'est ça le problème. Game sur sniper. Sniper? Quoi ça, sniper? Hop, 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 hop. Oula, on a eu chaud. On a eu chaud. De toute façon, je vais changer de jeu, là. Je vais aller sur un autre. Histoire de pouvoir faire une vidéo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Un bon Moyen-Âge. Oh, on se calme, hein, par contre. Hop, hop, hop. Ah, c'est Sniper Elite, je suppose. Report Ghost Warrior 2. Ah! Jamais fait, j'ai fait que le troisième. Là, je sais qu'il y a le. Oula, c'est quoi ça? Ok, apparemment, il se passe un truc. Calme-toi, par contre. Non? Ah oui, ok. Oui. Allez, je go. Mais tout le monde me lâche! Ok, j'ai compris! Tout est plein.